En avant le Marseillais, ohé oh. En avant les Marseillais, prêts à vous quitter. En avant les Marseillais, ohé oh. En avant les Marseillais, prêts à... Wesh les sangs, bien ou quoi? Moi ça va nickel aujourd'hui. Et vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ. T'as vu là, la semaine dernière, je vous ai demandé... Posez-moi vos questions, il y en a eu beaucoup. Bon, j'ai pas pu tout mettre, hein. J'en ai fait 20, parce que peut-être qu'il y aura une partie 2, tu vois. S'il y a beaucoup de likes, objectif 100 likes, et la partie 2 de la FAQ, pour le reste des questions, tu as vu, voilà. 100 likes, partie 2, au calme, sans pression, avec détermination. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier commentaire, le son. Allez. Alors, c'est Nassami le sang. Comment tu fais pour rester avec le hater? C'est ça, c'est le pote. Non, en vrai, le hater, c'est le sang. Même si c'est un hater, mais c'est le sang quand même. Voilà. Alors, on passe à l'autre question. KCross02. Qu'est-ce que tu aimes à l'OM? J'aime tout. Le palmarès, les joueurs, les supporters et le stade. Voilà. L'OM, là je suis pas bien en OM, mais voilà, OM à la vie, à la mort. Katou Gomez, la S. Pour la fac, t'es le sang quand tu joues comme ça, depuis quand tu connais Papa Eli? Eh bien depuis OM Rennes, depuis que j'ai fait le vlog et je suis sorti du stade et je l'ai vu énervé et tout, contre Evra. Et voilà, je l'ai filmé, on a fait le buzz ensemble, ça l'a fait connaître, ça m'a fait connaître. Après, on s'est revu à la commanderie, on s'est pris une coordonnée. Et voilà, maintenant, on est les sangs de la veine et de l'artère du pancréas. On est connus. On se connaît, on a nos coordonnées. Et peut-être à chaque match, on se voit. Je dis bien peut-être parce que le match du 7 décembre, je ne serai pas à côté de Papa Eli, je serai à Ganeté. Mais dans les matchs de Ligue 1, je serai souvent à côté de Papa Eli. Et donc, on pourra beaucoup se voir. Voilà. Papa Eli, c'est le sang. Elle phénomène 13, sa chienne. Scorp du Bang Bang. C'est qui ton joueur préféré de foot à l'OM? Enfin, c'est qui ton joueur de foot préféré à l'OM? Mon joueur de foot préféré à l'OM, c'est Luis Gustavo. Parce que Luis Gustavo, c'est un phénomène. Tu vois? C'est un phénomène. Voilà. Luis Gustavo 19, c'est le sang. Davy Gaming. Pourquoi tu es pour l'OM? Le sang, je te kiffe. J'aime Nike et aller l'OM. Pourquoi je suis pour l'OM? Parce que c'est le plus beau club de France, c'est le club de ma ville, c'est le plus beau club d'Europe, le plus beau club du monde. Voilà, tout simplement. On est le seul club à avoir eu l'étoile. L'étoile, à jamais les premiers, les ça. Quel est ton YouTubeur préféré? Il y a Big Alan, après Big Alan et Big Alan. Nah, je rigole. J'en ai plein, vous, déjà vous les abonnez, parce que vous êtes des youtubeurs, tu vois, parce que tant que tu as créé un compte sur YouTube, eh bien, vous êtes des youtubeurs, voilà, vous. Après, il y a Jawed, il y a Brian, je vous dis pas les noms des chaînes, hein, je vous dis leurs prénoms. Il y a Cédric, il y a Ibrahim, et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bref, pour les prénoms, vous verrez plus tard dans les commentaires si je mets un commentaire ou pas. J'ai des questions. Le gamer du 13. Tu supportes l'OM depuis quand? Depuis tout petit. Mais je suis plus à fond sur l'OM depuis la saison dernière. Voilà. Mais sinon, depuis petit, je supporte l'OM. Avant petit, j'allais au stade et tout. Tu as vu? Mais pas trop. Pas autant que maintenant. Voilà. Deuxième question, c'est... Qui t'a donné envie de commencer sur YouTube, t'es le meilleur le sang. C'est moi-même. Je voulais commencer sur YouTube. À la base, t'as vu comme je l'ai dit dans l'avant-dernière vidéo, à la base YouTube c'était pas pour les vlogs de l'OM, t'as vu, c'était pour faire un délire et tout. Même si ça reste un délire, t'as vu. Mais c'était pas pour les vlogs de l'OM. C'était genre j'avais fait une vidéo de grattage et tout, t'as vu, c'est. Après j'ai fait les vlogs de l'OM et tout. Et j'ai vu que ça a plu. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire une lancée sur ça? Après, j'ai rencontré Papa Eli.
Voilà, tatati-tatata, et voilà. Mais comme je l'ai dit, il n'y aura pas que du contenu 100% OM, il y aura d'autres contenus, des pistes là maintenant. Je te fais quoi? Je te fais une FAQ, voilà. Et merci le sang pour... t'es le meilleur le sang. Clown tueur, oh, le clown tueur, il me pose une question. OMG! T'es indien? Non. Alors, on m'a dit, je suis pakistanais. Je suis pas pakistanais, je suis pas indien. Je suis pas indien. Après, on m'a dit quoi? T'es maoré, je suis pas maoré. Je suis réunionnais, je suis pas réunionnais. Mes origines. Ivoirien. Ne fais pas la blague parce que je porte des lunettes que je vois rien. Et algérien. Ne fais pas la blague parce que je suis rien, que j'ai rien, que voilà. Bref, voilà. Tes parents sont de quelle nationalité, Tibissil? Eh bien, je te l'ai dit. Mon père ivoirien, ma mère algérienne. Et non, je vis pas seul, je vis encore chez mes parents. Voilà, tout simplement. Mbambe Sila, le sang. Jodur 13, le sang. Lui, depuis le début, il est. Pourquoi tu n'es pas abonné à l'OM? Parce que j'ai fait le compte de ne pas m'être abonné. Voilà, c'est vrai en plus, hein. Voilà. Je me suis dit, pourquoi je ne me suis pas abonné? En plus, c'est vrai, hein. Après aussi, il y avait, voilà, il y avait d'autres raisons X et Y, mais bon, je vais pas te les dire. Peut-être un projet pour la prochaine partie de la saison, l'abonnement dans les virages ou du jambon ou gagné. On verra le sens, si c'est avantageux niveau prix, oui. Si c'est pas avantageux, non. Je continuerai à aller acheter mes places chaque match. Et ça sera plutôt jambon pour être à côté de Papa Eli, t'as vu? Tu préfères viande ou légumes? Les deux. Voilà, les ça. Gaming OM, tu préfères avoir un abonnement à vie au Vélodrome où joue l'OM pendant un an? J'ai pas compris ta question. Parce que si c'est l'abonnement à vie, il dure pas un an. Sinon, continue, tu es le sang, je te suis depuis ton vlog face à Dijon l'année dernière. Tu es la famille, merci le sang. Sinon, je préfère avoir Ah, t'as oublié le et. Les sons. Tu sais, quand tu mets pas. Tu oublies une lettre ou quoi, le mot peut changer de sens. Bref, on va pas faire de leçons de morale ou d'orthographe ou de géographie. Pourquoi géographie? Ou de grammaire ou quoi, t'as vu? Bref, je préfère avoir un abonnement à vie au Vel ou jouer à l'OM pendant un an. Je préfère avoir un abonnement à vie au Vel. Voilà. Rusty Devils. Fac, tu sors quand la cocotte poulet? On verra, le ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ma cocotte poulet, c'est quand j'aurai XXXXX abonnés que je sortirai cette musique. Ça fait ma cocotte poulet, ma cocotte poulet. Bref, voilà. Et peut-être quand j'aurai 10, 15, 20 ou 50 000 abonnés, on verra. On verra le sang. Alors, on a deux questions. Mathematex officiel. Tu peux venir en avant Guingamp OM. Et Matt Fonst, est-ce que tu pourrais venir en avant Guingamp OM pour vlog? Et tu sais, et vu que c'est le dernier match à l'extérieur de l'OM, on verra le sens selon les X et Y raisons. On verra le sens. On verra. Je peux pas je te dis rien maintenant, mais on verra plus tard. Je le dirai de toute façon. Voilà. Alessio, que penses-tu du capitaine Payet à l'OM? Je préfère que ce soit Luis Gustavo à l'OM, parce que Payet, il n'est pas encore au niveau encore pour l'instant. J'ai dit Benji pour l'instant. On verra plus tard. Crime, depuis quand tu supportes l'OM? Ça fait depuis petit. Oh, crime. Je viens de te le dire dans une autre question. Enfin, c'est pas à toi, mais à une autre personne. Je l'ai dit de petit. Voilà. Kiki 14. Est-ce que tu vas à tous les matchs de l'OM? Là, cette saison, je suis allé à presque tous les matchs. Je crois que j'en ai raté un seul. Non, même pas. J'en ai même pas raté un. Enfin, à domicile, hein, tu as vu. Voilà. Je suis allé à tous les matchs. Et j'irai à tous les matchs. Jusqu'à la fin de la saison. Clash 2017. Hey, tu préfères les films ou les séries? Je préfère les films et les séries, les deux.
Tu dis le croissant ou le pain au chocolat? Le croissant. Après, j'aime aussi les pains au chocolat. Voilà, tout simplement le sang. Fini Bill. Pourquoi tu dis spécialement wesh le sang tout le temps? Pourquoi ne pas dire wesh tout court? Quoique non, en fait, change rien, c'est nickel. Pourquoi je dis wesh le sang à chaque fois? Parce que si je dis wesh l'équipe, on va dire oh, tu plagilistes. Si je dis salam alaikum à tous mes frères, j'espère que vous allez tous bien, que votre famille, que tout votre proche et votre famille vont bien, je sais pas quoi là. On va dire je plagie KMX13. Salut les amis, c'est Jojol. On va dire je plagie Jojol. Enfin, salut les amis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va dire je plagie la team JD. Voilà. C'est pour ça, tout simplement. Au moins, j'ai ma personnalité. Wesh les ça! Même si ça fait wesh l'équipe! Mais ça fait wesh les ça! Voilà, tu vois le délire? Bref, c'est difficile à comprendre, mais voilà. Simplement le ça. C'est pour avoir une petite personnalité, comme le sans pression, avec détermination. C'est de moi aussi, c'est ma personnalité. C'est ma marque de fabrique. Comme l'Oise Tyson, il a fait MRC. Hein? Et bien voilà, MRC. Ça vient de l'oiseau Tyson. Tu vois le délire, le sang, le vice et le tournevis. Voilà. Le gamer 13, je t'adore le sang. Moi aussi, je vous aime les tous. Voilà, je vous aime tous, les sangs. Voilà le sang, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'auras plu. Moi, j'ai dit beaucoup de likes, environ 150 likes. Tout à l'heure, j'ai dit 100, mais maintenant, c'est 150. Tu auras la partie 2 de toutes. Les questions qui restent, tu as vu, parce qu'il y en a encore beaucoup. Voilà, 150 likes. Alors, n'oublie pas de liker, commenter, partager, de m'ajouter sur Snapchat, de me follow sur Twitter et Instagram. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, le ça! M-O-H est comme ça, M-O-H est comme ça, comme ça. Le P c'est comme ça, le P c'est comme ça, comme ça.